Cette commémoration qui a débuté en milieu d'après-midi, place de la République, un chêne a été planté, une stèle a été dévoilée en présence de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et des victimes ainsi que de leurs proches. Reportage, Grégory Fraisse et Guillaume Bertrand. Des bougies déposées au pied d'une stèle de verre portant les symboles d'une ville meurtrie qui veut se souvenir et rendre hommage. L'œuvre a été dessinée par une victime de l'attentat. Son emplacement, place de la République, à l'écart des lieux de l'attaque et la sobriété de cette cérémonie ont été le choix des familles porteuses d'un message de paix. À l'opposé de la haine qui n'engage que la violence, nous avons choisi l'avenir, la paix, l'espoir, la fraternité, le partage et la résilience. Profitons des moments précieux dans notre vie pour apprécier les mille et un bonheurs accueillir chaque jour. Ensemble, gagnons contre la barbarie. Sous la pluie froide, l'hommage aux 5 victimes décédées, à ceux qui ont été blessés dans leur chair ou leur âme, mais aussi à une ville solidaire et à tous ceux qui ont fait face. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme et la haine sans relâche. Nous continuerons à vivre comme nous l'entendons, sans donner aucune victoire à la peur. Le 11 décembre ne sera jamais la date de la haine. Elle sera la date du souvenir des valeurs, des passions et des combats des 5 hommes qui sont tombés ce jour-là. Dans le public, beaucoup d'officiels, mais aussi des anonymes, habitants venus témoigner leur compassion ou panser leur plaie. Je suis strasbourgeois et puis c'est un cauchemar pour tout le monde. Hein. Forcément, tout le monde a été touché. Et je trouvais normal de venir rendre un hommage. Et là, on est debout aujourd'hui et on tient à être là en tant que Strasbourgeois. Tous les jours, on y pense. Un chêne, arbre de la vie, a été planté avant que le ministre ne rencontre les familles à huis clos.